pur soldat. Et quand il s'est un petit peu affaissé, ils ont reconstruit le pont. Ils ont gardé que Gaudi. Dans les Parisiens, c'est sa maison qu'il était quand il est reparti à Boulogne. Voilà. La maison Gaudi, Gaudelet, à Boulogne-sur-Mer. Et Gaudi est beaucoup plus connu sous le nom du zouave du pauvre allemand. Il y a bien zouave. C'est un abbé militaire qu'ils avaient en ce temps-là, ils appelaient ça les zouaves. Il est né à Gravelines. Il est arrivé avec ses parents dans les années 1826. Et son père était cabaretier. Et ici, devant la maison où Gaudi est né, je pense que dans le temps, il devait être un café. C'est quelqu'un qui devait avoir soif d'aventure, il s'est engagé dans l'armée. Et il a fait 21 ans d'armée. Avec Napoléon, les campagnes d'Italie, les campagnes d'Afrique du Nord, tout ce qui s'ensuit, il a été blessé, il a été médaillé. Et c'est pour ça qu'il a été pris en exemple pour faire le zouave. Parce qu'il y avait une belle carrière militaire, quoi. Quand il était démobilisé, il était sur Paris, une de ses sœurs. Et l'empereur a eu envie de faire des statues de soldats. Parmi les statues, il y avait un zouave, il y avait un chasseur, il y avait un grenadier, pour mettre sur le pont de l'Allemand, mais le vieux pont de l'Allemand. Et il n'y a qu'une seule statue qui a été retenue, c'est le zouave Gaudi, parce que c'était peut-être le plus beau. Les Parisiens, quand ils voient l'eau monter le long du zouave, ils ont peur. Pour les Parisiens, c'est un repère. Dans 26, il avait de l'eau jusqu'au torse, et ça a été la crue du siècle sur Paris, quoi.